Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le Girl Power Tag. Si vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle s'est dessinée sur la tronche, eh bien j'ai fait une étoile filante, voilà, parce que j'y trouve que ça fait très... Voilà, je trouve que ça va très bien avec le thème. Girl Power Tag. Donc j'ai été taguée, enfin taguée et pas taguée, par Lauriane de la chaîne Parole de Filles. J'explique que le jour du meet-up, elle nous a ordonné, oui oui, ordonné de faire ce tag. Non, je rigole, elle nous a pas ordonné. C'est ça aussi les Girl Power Tag, c'est de savoir dire non quand on vous ordonne quelque chose. Et ben moi, j'ai dit oui, voilà. Parce qu'il n'y avait pas de raison de dire non, en fait. Ouais. Première question. Qu'est-ce que le girl power signifie pour toi? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Eh bien, clairement... Non, en fait, ce n'est absolument pas clair pour moi. Mais je pense que... Le girl power, donc pour une fille, enfin pour une femme, évidemment, puisque ça se met le girl power, c'est de savoir, enfin de pouvoir, de savoir, de décider par soi-même, de réussir à faire par soi-même, toute seule. Notamment, je trouve qu'une femme seule avec 3 enfants qui enchaîne 2-3 boulots, à la suite, par semaine, vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir joindre les deux bouts, pour y arriver à la fin du mois. Pour moi, ça, c'est un sacré girl power, en fait. Je trouve que... Je crois qu'il n'y a pas meilleur exemple, enfin, pour moi, personnellement. Après, c'est... Après, il y a énormément d'exemples, le fait que les femmes s'affirment de plus en plus, voilà, se débrouiller par nous-mêmes sans avoir besoin d'un homme, sans avoir besoin d'une présence masculine à côté, sans quelqu'un qui nous dicte quoi faire, comment faire, pourquoi, à quelle heure, pourquoi, comment, avec qui, et tout. Voilà, je pense que c'est ça, le girl power, c'est se débrouiller toute seule, y arriver toute seule et voilà quoi. pouvoir dire à la fin, moi j'ai tout fait toute seule. Et voilà. Pour moi c'est entre autres ça. Question 2. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner aux filles qui veulent devenir puissantes? Qu'est-ce que t'appelles puissante aussi? Clairement, qu'est-ce que t'appelles puissante? Avoir confiance en soi, je pense que c'est une des bases pour réussir à avoir le girl power. Je pense déjà avoir confiance en soi. Si t'as pas confiance en toi, ça sert à rien en fait. Si tu veux réussir les choses par toi-même, si tu veux réussir les choses par toi-même, il faut que tu aies confiance en toi. Ou sinon ça peut pas marcher. Voilà, je pense que la confiance en soi est primordiale pour avoir le girl power. Capiche? Question 3. Si vous pouviez avoir un super pouvoir, quel serait-il et comment l'utiliseriez-vous? Alors... Oh, j'ai bien envie de tricher un petit peu en fait. Parce que moi j'aimerais clairement être un ange. Avec des super pouvoirs. Voilà. J'adorerais ça. Enfin, c'est... Enfin, j'adorerais. Ça n'arrivera jamais, on est d'accord. Hein. Mais c'est... C'est dans mes délires. Non, sinon, un super pouvoir... Oui, peut-être la téléportation. Je crois que Lauriane avait dit aussi, je sais plus. Mais ouais, je crois que ce serait la téléportation. Pour pouvoir voyager comme ça, ce serait vraiment 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 génial. Très pratique pour se déplacer, très pratique pour faire les courses, dites-vous bien ça.
attendez, et vous avez 14 sacs et voilà, vous êtes chez vous. Non, sérieux, ce serait vraiment pratique. Je pense que ce serait celui-là ou celui de voler peut-être. Mais bon, ça c'est banal, je trouve. C'est pour ça que... Ouais, ce serait la téléportation. Allez, banco. 4. Montre-nous tes poses de girl power. Non, ça fait pas partie des girl power, ça. J'en ai pas. Vous me voyez dans la rue. Sérieux. Faut pas exagérer. Comme ça. Avec ma super belle étoile. Voilà. Non, ça c'est une pose de pouf. Non, j'aime bien faire à mon chéri. T'as vu? Moi, je suis trop forte. Voilà, ça c'est mon classique pour lui faire peur. Ça marche pas, hein, mais bon. Il fait au moins 5 têtes de plus que moi. C'est juste pour vous dire que j'ai un petit peu de mal à lui faire peur au bonhomme. Mais bon, j'aime bien faire ça. Ouais, ce serait. Comme ça. 5. Quel produit cosmétique te rend super puissante? Voilà, je ne sais pas. Super puissante, donc ça veut dire qu'il vous donne confiance, qu'il vous donne, voilà. Donc s'il faut choisir, voilà, clairement, si il faut choisir, je dirais que je ne peux absolument pas sortir, enfin je ne, en théorie, sortir. Je peux ne pas faire mon teint, il n'y a aucun problème, je m'en fous, j'ai les boutons, on les voit, vous voyez là, on les voit très bien. C'est pas grave, on s'en fiche, mais je peux pas, ça c'est vrai que c'est un classique, sortir sans le mascara, donc là j'en ai pris un au pif. Ou, attendez, je cherche, ou le rouge à lèvres. Donc je trouve qu'un rouge à lèvres rouge comme ça par exemple, rouge fuchsia framboise parce que c'est mes couleurs, vous donne tout de suite, vous n'êtes pas maquillée, rien du tout, et ben paf, vous avez des yeux de merde avec des grosses cernes, vous mettez un rouge à lèvres fuchsia, et ben les hommes ils vous regardent même plus dans les yeux, ils vous regarderont la bouche. Faites attention de ne pas avoir des trucs entre les dents, sinon c'est foutu, hein. Voilà, girl power. Mais sinon oui, également le mascara, ça réveille le regard, c'est... Voilà, c'est... Et bon, là, évidemment, j'ai un petit peu abusé sur que surtout sur les yeux, là. Mais c'est vrai que le mascara, c'est... Voilà, c'est pour moi très important. Question 6. Pourquoi penses-tu qu'il est important d'avoir des célébrités comme modèles? Parce que c'est important. Je vois pas comment on peut avoir... Enfin, je sais pas, je... Moi, je n'ai aucune célébrité comme modèle. J'aime bien des célébrités, j'aime bien des chanteuses, des chanteurs, blablabla, blablabla. Mais comme modèle, non. Et je ne trouve pas ça très important d'avoir des célébrités comme modèle. Construisez votre personnalité vous-même, tout seul, comme des grands. Parce que... je sais pas, faire reposer ça... sa façon de voir les choses, sa façon de faire, sa façon de penser sur un sur une célébrité, peu importe, célébrité ou quelqu'un d'autre. Non, je trouve pas ça très... Bon, je sais pas, je trouve ça inutile, voilà. Donc, pourquoi penses-tu? Bah, je sais pas, puisque je ne pense pas que ce soit très utile d'avoir des célébrités comme modèle. Question 7. Qui a été ton modèle étant petite? Wonder Woman! Parce qu'en fait, j'hésite entre ma maman et ma grand-mamie. Et ma grand-mère, en fait. Voilà, donc à la limite, je dirais les deux. J'essaye de m'occuper de ma fille comme ma maman s'est occupée de moi. C'est the maman. Faut pas non plus exagérer, quoi. C'est ma maman, la mieux. T'as compris? La girl power, c'est ma maman. Voilà. Et c'est tout. Et tu te tais maintenant. Non mais oh. Et alors, ma grand-mère aussi, puisque, qu'est-ce que je peux vous dire, elle est toujours là, voilà, clairement, elle est toujours là, je les vois pas souvent, et quand je les vois, j'adore, voilà, tout simplement, je sais pas, je... C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est ma maman et ma grand-mamie, voilà, point, et tu te tais, voilà.
Donc ce tag était vraiment, enfin j'ai bien rigolé à le faire, je pense que vous allez vous foutre de moi un petit peu aussi. J'espère que ça vous aura plu, je tag absolument tout le monde, oui, puisque je n'ai jamais ma liste d'abonnés, enfin de youtubeurs soulignés, donc du coup je tag tout le monde, c'est plus rapide, surtout que visiblement ce tag en France n'est pas très répandu, j'ai du mal à trouver les questions. Donc, c'est pour ça que je tag tout le monde. Donc les filles, je vais vous faire des bisous. Et je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye!